Salut à tous, c'est QQ qui je vous retrouve pour la suite de Outrider. Et je suis pas sur la bonne scène. Ben voilà, c'est mieux. Voilà. Donc, Outrider, oui, on est là pour les quêtes secondaires. Et je me suis rendu compte en rechargeant plusieurs fois depuis le salon cette zone que le climat, et donc le temps qu'il fait, est aléatoire parce que il faisait ce temps-là quand je vous ai quitté la dernière fois quand on est arrivé dans la zone. Il faisait ce temps-là quand je suis arrivé dans la zone après avoir rechargé, relancé le jeu parce que j'ai changé de session entre-temps. Et j'ai quitté la session parce qu'il n'y avait pas la TH, je suis revenu et il faisait beau. Donc a priori le climat ça change. Et du coup peut-être qu'il y a des ennemis ou des événements qui se passent que quand il y a un certain temps. Je ne sais pas. Et je crois qu'on avait une quête à faire par ici d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est venu. Reste à savoir où est-ce qu'elle se trouve. Présence inconnue. Alors. Une quête de chasse par là. Ok. Où serait cette quête? Parce que là, il y a un peu d'histoire. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. A priori, c'est dans le camp. Mais où dans le camp? Tu vas dire. Bah, du coup, on va suivre les quelques points d'intérêt qu'il y a sur la map. On verra bien si ça nous amène à des trucs intéressants ou pas. Ah bah ça doit être ça. Ça ne marche pas. Ce n'est pas bon. Oui, je peux t'aider, vagabond? Que puis-je faire pour toi? Vous êtes perdu? Je passe. On tue des gens pour ça, par ici. Ici, c'est l'enfer. Oui, l'enfer des uns, le paradis des autres. C'est vrai. C'est étrange de servir un but plus noble. Mais non. On sent une terreur. Mais aussi le fait d'avoir été choisi. Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Pour comprendre ce monde, il faut visiter un certain lieu. Où les bêtes sont nombreuses, mais pouvoir limiter le monolithe des anciens. J'ai besoin de vous. Vous serez récompensé. Tu veux que je t'accompagne, c'est ça? Je te suis. Bon, vu sous cet angle, j'accepte. Ah, il fait sombre ici d'un coup, non? Les anciens avaient les réponses. Partir où? Bon, on a débloqué le vagabond. Que se passe-t-il? Alors, si je meurs, c'est normal, hein. Excuse de ça, que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Comment vous appelez-vous? Bah, réponds quand même, connard. Ta tête, toi. T'arrives jamais à crit. Ah,
Ah, mais il s'arrête un jour, ce mob, hein. Déjà qu'ils sont chiants comme la pluie. Qu'est-ce que quoi? Qui encore? Les trucs volants, c'est toujours des saletés de toute manière dans les jeux. Nick. Encore. Ça en fait des bébêtes, dis donc. Encore? Encore? Dégager le marais, mais il y a quoi dans le marais? C'est juste de l'herbe. Bon, vous vous cachez où là? Parce que ça commence à être un peu long là. Si vous venez pas, je vais venir vous chercher moi. Même pas regarder si j'avais des documents à trouver ici. Non, pas du tout. Bon, bah je vais fouiller hein, si les ennemis veulent pas se montrer. Hein. Si je meurs à cause de mon impatience, bah, je pourrais m'en vouloir qu'à moi. Mais le jeu a bugué ou... Oh, je dois trouver le monolithe. Bah, il est au milieu ton monolithe, non? Désolé, moi la musique changeait pas, j'ai cru que c'était normal. Hein. Enfin, qu'il y avait toujours les ennemis et tout. C'est pas par là. Encore une histoire de monolithe. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces bines? Encore? Oui.
Ça en fait des monstres, ça, dis donc. Comment ça, fils de... Oh, niveau 30, level max. 200 PV, de la puissance, des points de classe. Super. Deux points de classe. Ah, mais il n'y en avait pas au niveau d'avant, je crois. C'est une femme, c'est ça? Elle vous a brisé le cœur et vous êtes parti vivre en ermite pour que ça n'arrive plus jamais. Ce genre de truc. Personne ne m'a blessé. J'ai blessé. Je les ai tous blessés. Qui avez-vous blessé? Ça n'a plus d'importance. Ils sont tous partis maintenant. Je suis le seul à me souvenir. Est-ce que tu ferais partie de la première expédition, toi aussi? Deux points de classe. Drain de compétences. Poison dure plus longtemps. Faut aller chercher ça aussi. Bof. Ça, ça fait quoi? Drain de compétences. Dégâts d'armes. Je prendrais bien le truc de poison au cac parce que ça peut me sauver. Et ça, ça perfore la résistance, donc c'est bien aussi. Ah, quoique, ça c'était bien aussi. Dégâts de plus, 20% de dégâts de plus sur les ennemis faibles, c'est bien. En vrai. Mais le poison au cac, je trouve ça cool aussi. Donc je prends les deux. Hop. Dégageons. Les rochers, bien sûr. Bon, encore des zombies? Des mutants, je veux dire. C'est ça, l'obélisque? Dégagez la zone. Ouais, ouais, je dégage. Voyons ce qui le rend si spécial. Une goule. Bon, si elle est toute seule, ça me va. Ah non, pas le cac, hein. Pile au moment où elle m'a tué, j'étais en train de me dire elle va me tuer, je vais rien comprendre. Et ben ça a pas manqué. Voilà l'obélisque. Voyons ce qui le rend si spécial.
Ça y est, il est résistant au froid. Je lui avais quand même enlevé la moitié de sa vie, donc c'est pas désespéré. Le problème, c'est qu'au cac, il me met ses patates. Ah non, mais ça va pas le faire là, par contre. Il me défonce. Vous savez quoi, j'ai envie de tenter un truc. On fera moins de dégâts. Mais j'ai envie. J'augmente mes PV. J'augmente mes... ma résistance. Mais il marche, bordel. Mes PV. J'augmente mon armure, j'augmente mes PV. Mon drain de compétences, mes PV. Mon armure. Mon drain d'armes, mon armure. Mes soins. Les ennemis gelés prennent plus de dégâts. Là, il me reste 7 points. Ça augmente les soins. Les ennemis gelés sont aussi vulnérables. 40% plus vulnérables. Les tourelles durent plus longtemps. Mes PV max récupérés augmentent de 20%. Les tourelles s'usent moins vite. Les ennemis empoisonnés sont vulnérables. Et la vulnérabilité est plus efficace. Ok. J'ai envie de tester ça. Oula. J'ai 6000 PV, j'ai jamais eu autant de PV, je crois. Voilà l'obélisque. Voyons ce qui le rend si spécial. Ah, et le poison dure vachement plus longtemps, par contre. Ok, donc il me touchote quand même avec son combo d'attaque, donc super. Je vais pas baisser mon niveau de monde, je suis même pas au niveau de monde max. Hein. Voilà le risque. C'était pour tester. Hein. À mon avis, c'est pas du tout petit comme ça aurait pu l'être. Mais tu le gênes ou pas, genre?
commence à me les saouler, hein. Oh non! Mais si one shot avec toutes ces attaques, c'est chiant en fait. J'ai augmenté mes PV, hein, donc soit il fait des dégâts en pourcentage de PV, soit je comprends rien. Je me débarrasse d'eux, ils sont beaucoup trop chiés. T'as tout ça pour du bleu et du blanc. Manique. Nul. Fais attention, la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai failli créer... Vous êtes altéré. Ça se dit comme ça, d'où vous venez? Vous venez d'où, juste? Et pourquoi vous vouliez mon aide? Avec vos pouvoirs, vous auriez pu... Méfiez-vous de vos pouvoirs, altérés. Ils vous mèneront à la folie. Vous les employez, les ténèbres grandissent. Je n'ai plus la force. Oui, peut-être... Je vais lire ça. Qui êtes-vous? À votre place, je ferai demi-tour. Plus loin, il n'y a que la mort. Tenez pour votre peine. Ah, tu me donnes ma récompense directe? Sniper avec une compétence que je ne connais pas, perce résistance. Les tirs réduisent de 35% la résistance de votre cible pendant 6 secondes. Pas mal.
Bah, je prends, du coup. Vous savez quelque chose sur cette porte ou ces ruines, vagabond? Qui les a construites, par exemple? Si vous aviez la réponse, vous en feriez quoi? Pour satisfaire ma curiosité. La curiosité est arrogance. C'est elle qui nous a conduits ici. C'est surtout la survie qui nous a conduits ici. Non. La survie est la seule chose qui nous reste. Comment répondre, tout réduit en cendres. Mais c'est plus puissant que ce que je viens d'avoir en récompense. Je reconnais quand le jeu se fout de ma gueule. Ouh, voilà le lag. Enfin, ça rame plutôt parce que le lag. Je vous ai déjà dit que c'était en ligne. Arrête de dire des conneries, mec. Tu permets, je fouille. Hein. Je viens de par là ou pas? Ah non, j'arrive de par là-bas, moi. Et du coup, il y a quoi par là? Un coffre. Et ben je prends. Bien chiant ce boss, hein, mais c'est la deuxième fois qu'on affronte une goule et je crois que la première fois c'était déjà bien corsé. Mais les goules elles sont chiantes. Encore ça va qu'il n'y avait pas d'autres vraiment d'autres ennemis chiants avec parce que sinon je pense que j'aurais galéré. Allez, barrons-nous d'ici. Je crois pas qu'on ait d'autres quêtes dans la région. Mais du coup, c'était pas ça, présence inconnue? Si, ça devait être ça. Alors, fait-il toujours mauvais ou fait-il bon? C'est pas clair. Je vais regarder vite fait quand même. Parce que récompense de quête, il me donne un pistolet à 15k. Et juste derrière, j'en chope un à 18k. C'est un peu du foutage de gueule, non? Recharge instantanément si tu tues un ennemi avec 35% au moins. Recharger une arme, votre arme provoque une onde de choc autour de vous. Ah, c'est pas mal vu que c'est un snipe à coup unique. Parce que si je mets celui-là, je perds 1k. Je vais enlever Perpetuum, mais je vais remettre mon bonus. Et celui-là, je vais le dessouder, du coup. Et ça, du coup, celui-là, il faisait quoi? Ah, il fait clé mort. C'est pratique, clé mort, quand même. Il y a vol d'essence là-dessus qui régénère mes PV et c'est pratique aussi. Ouh, joli cette armure. Et les bottes, à plus savoir qu'en faire. On joue pas pompe. Ok, je vais juste changer ça. Ah, almanach de l'inventeur. Je sais pas ce que c'était, mais je pense qu'il fallait dessouder un certain nombre d'items. Ah, ou peut-être récupérer un certain nombre d'améliorations. Je dois améliorer mon équipement. Du coup, on a dit ça. Non, ça, on l'a pas changé au final. Modification. Hop.
Après, rechargeur sismique, je sais pas si c'est si intéressant que ça. Parce que je vais pas le laisser en coup unique parce que j'aime pas ça. Ah, mais c'est plus un snipe ça, ça a pas de lunettes. C'est vrai. Pas grave, je le prends quand même. Plus jamais le coup unique, on a dit. Merci. On recharge. Et a priori, on se barre d'ici. Shana! On taille la route. Il me reste combien de quêtes? Ça sera marqué sur la map normalement. 4 quêtes. Ici c'est fait, ici c'est fait. Dans les dunes, non. Le berger des Nocs. Là, il y en a une. Ah oui, c'est là où il est mort. Jacob. Jacob? Alors, où est cette quête? Les bergers des Nocs, c'est ici. Est-ce que c'est celle-là? Qu'est-ce que c'est? Intéressant. Zaidi, j'ai trouvé des gravures anciennes. C'est peut-être des hiéroglyphes du peuple d'Auguste. Incroyable. Vous y comprenez quelque chose? Bah pas non. vraiment mon domaine d'expertise. Bon, vous trouverez peut-être d'autres gravures dans le village. Si vous parvenez à en déchiffrer, nous en saurons peut-être plus sur leur histoire. Ouais, J'accepte. je veux ouvrir l'œil. Tintin, ça veut dire qu'il faut que je me retape toute la zone du village. Oh, pourquoi je me fais défoncer comme ça? Ah oui, mais vu que j'ai plus mes bonus de pouvoir d'anomalie, en fait, non, il faut que je remette mon ancien build. Hein. C'est pas ça. Je m'en fiche de pas avoir beaucoup de PV, mais contre la plupart des ennemis, c'est préférable en fait. Allez, rends-moi ça. Résistance. Tac, tac, anomalie, anomalie, dégâts poison. J'irais bien chercher ça, non, ça. Mais ça demande beaucoup de points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ça me prend 2, 3 points, qu'est-ce que je dis? Tac, 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 augmentation de l'armure. Double drain de compétences quand il me reste pas beaucoup de PV.
C'est bien ça. Ça je l'avais pas, ça je l'avais pas, ça je l'avais pas. Augmenter les dégâts du poison aussi, c'est bien, mais... % de dégâts poison. Et les tourelles s'usent moins vite. Ça, c'est bien, je pense. Comme build. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, je peux prendre... Enfin, je peux régénérer 20% de plus de mes PV, un truc du genre. En me mettant à couvert. Et ça, c'est quand même fort. Voilà, là j'ai des grenades qui servent à quelque chose. Et j'ai du poison vachement efficace aussi. Oh la clé mort qui fait tellement mal. Allez, faut mourir là. Oh, la clé mort. J'arrive pas à voir où est-ce qu'ils sont exactement. Bon, vous allez me dire, si j'arrêtais de me planquer, je verrais peut-être où ils sont aussi, mais c'est vrai. En tout cas, mon poison a l'air de leur faire quelques dégâts. Hein.
Alors, t'es un Jean-Michel quoi, toi? T'es un Jean-Michel, j'ai pas envie de t'affronter. Ok. Ah, c'est bien beau de régénérer 20% de PV en plus, c'est pour crever. Bonjour l'utilité, quoi. Je me souviens plus s'il y avait un coffre ici dans cette zone. Bon, on s'en fiche un peu en vrai. On est niveau max, on fait plus que ça pour le niveau de monde hein, qui me permettra d'avoir du stuff niveau 45 normalement. J'aurais peut-être pu me TP ici en vrai, je suis en train de me dire. Alors, nouvelle zone. J'avais dit qu'on irait par ici, je crois, quand on était passé par là, mais on pouvait pas au moment où on était passé, justement. Rechercher d'anciennes gravures. Dégager la zone, bien sûr. Je suis repéré, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Ah, des petits snipers, ça fait longtemps. Allez, monte-moi ta tête. Ok, où est la suite? Derrière là, ils sont cachés.
T'as fini de te TP, t'es totalement buggé. Quelqu'un ? Putain, la résistance des mecs ? Attention, ça va poisonner. Poison. Grenade. Ah, oh, ce sniper à la grenade. Je m'en lasserai jamais.
Ah, ça c'est plus chiant déjà. Vous savez mais, à quel point j'adore ce pouvoir. Hein. Il est mort. Est-ce que j'ai l'ai... Est-ce que je l'ai tué sans qu'il laisse tomber de loot? Moi non, le jeu c'est pas une pute. Il ferait pas ça. Ça va, les ennemis sont pas trop cons. S'ils peuvent se mettre à couvert, en général, ils le font. Ça, c'est appréciable. Bon, je t'empoisonne un jour ? Ils veulent pas. Hein. C'est bon. Hey, Zaidi. Il y a une sorte d'artefact alien. Je sens qu'il rayonne d'énergie. Je me demande si vos pouvoirs pourraient l'influencer d'une quelconque manière. Moi, sûrement. Sinon, je t'en aurais pas parlé, je pense. Ah, c'est ça, il m'a pas laissé de stuff, le boss que j'ai tué. C'est un peu... dommage. Examinons la relique. C'est le cube. Sésame, ouvre-toi. Un danger venu du ciel. Oh, l'anomalie sûrement. On dirait qu'il y a eu beaucoup de morts. Ils se sont cachés dans des grottes, j'imagine. Mais alors comment le peuple de Gust a-t-il pu survivre et construire des villages comme celui-ci? Ça me dépasse. C'est une découverte inestimable. Continuez de chercher Outrider. Peut-être que les ruines étaient déjà là avant, en fait. Quoi, la quête est pas finie? On dirait que l'objet alien ne répond plus. Vous en trouverez peut-être d'autres dans le village. Si vous parvenez à stimuler ces apparitions, nous connaîtrons peut-être le fin mot de l'histoire. D'accord, mais je dois rester ici ou pas du coup? Non, je dois aller là, ça. Non, je suis ici, je dois aller là. Et je peux peut-être me TP à la porte de la place, du coup. À voir. Oui, ça c'est bien. Je me suis encore fourré dans une quête beaucoup trop longue, moi, je sens. Oui, je me souviens, c'était bloqué par là. Bon, c'est pas grave, on va la finir. Je finis toujours ce que je commence. Puis il nous reste que 4 quêtes secondaires. Il nous en reste que 3 après celle-là, d'ailleurs. Bon. J'ai pas rechargé mes armes.
Ils sont résistants. Putain, la clé mort, ça fait tellement le taf en vrai. Sans parler du gel. Ça dure longtemps cette tour. Oula, il y en a deux. Ah, il y en a deux. Il n'a pas la visu l'autre. Mais c'est un sniper, je crois, par contre. Tu reprendras bien un peu de poison.
A pu. Ils ont beau pas faire super mal, faut pas les sous-estimer pour autant. Je crois qu'on peut passer. Ils sont obligés de passer par là pour venir. Je sais pas du tout où ils sont. Ils m'ont l'air super loin. Bon, il en reste que deux. Ça fait longtemps que j'ai pas rechargé mes armes. Zaidi, j'ai trouvé un autre artefact. Oh, oh, oh. Bien caché celui-là. Un petit jaune de temps en temps serait plaisir, quoi. Alors, qu'est-ce que ça dit ? En vrai, c'est intéressant. On dirait encore l'anomalie, mais je pense qu'ils sont parvenus à la contrôler, à s'en protéger. Comment ? Peut-être les obélisques ? Comme dans la forêt ? Mais ça montre un groupe qui collabore, je pense. Ça n'a pas dû être facile. C'est sûrement pour ça qu'Auguste s'est effondré dans la forêt. Il essayait de nous protéger de la tempête. Tâchez de découvrir d'autres gravures. Ah, encore ? Attends, j'espère qu'il y a une bonne récompense à la clé, parce que sinon... L'histoire des Pax. Il faut que j'aille là. Ah, je suis jamais allé là. Dans les catacombes. Bon, bah c'est parti pour une vidéo d'une heure et demie. Hein. Quand même, regarder un peu si je vais pas choper du bon stuff. Mais pour pouvoir brut, j'en ai besoin. Augmente vos dégâts critiques de 50% de votre perforation de résistance. Oh, pas mal. Un pantalon. Les tirs critiques infligent 3000 de dégâts en plus aux ennemis touchés par l'altération cendre. J'ai pas mal de trucs qui combattent avec cendre. Ouais, balle dum-dum, j'avais pas non plus. En vrai, y a plein d'altérations de 2 étoiles que j'ai pas. Ça m'a l'air bien meilleur que ce que j'ai. Shrapnel d'os, ça c'est pas mal. Perd quand même 3000 de puissance de feu. Mais on connaissait déjà. Ouais. Bref, on y va, sinon on n'aura jamais fini dans une heure.
En tout cas, c'est cool parce que j'avais hâte de l'explorer, ce village. Bon, ça commence à faire beaucoup d'ennemis, mais oh! Voilà, taille de ce viaduc. Putain, ils ont emmené de l'eau d'où? En même temps, s'il y avait de l'océan là-bas avant, je me rappelle dans la zone où il y avait plein de trucs qui flottaient de partout. Oui, bah tu m'étonnes qu'ils pouvaient ramener de l'eau. J'aime pas trop beaucoup ça. Faut aller à gauche. Ouais, moi j'irais bien à droite. Si je peux. Et je ne peux pas. Je suis obligé d'aller dans les catacombes. Zaidi, j'ai trouvé une sorte de lieu de sépulture ancien. Qui est à peine terrifiant. Oh oui, pas d'inquiétude. Je parie qu'aucun esprit frappeur alien ne va vous sauter dessus pour vous dévorer. Bien. J'étais plutôt serein avant que vous disiez ça. J'ai du mal à apprécier les distances. J'ai l'impression que c'est super loin en fait. Ça va qu'il y a pas mal de trucs auxquels on peut passer à travers en fait. Bah alors. C'est bien que vous attendiez pas à me voir, mais quand même. J'arrive absolument pas à apprécier les distances. Hein. C'est horrible. Allez, fais-le pour moi, la tourelle. Allez, tue-le. J'ai absolument rien vu pendant tout le combat. Mais sinon, ça va.
Bon, par contre, je suis pas trop fan, hein. Aller dans les lieux de culte comme ça. C'est un peu terroriste. Bref. Sésame, ouvre-toi. Je dois explorer. Oh, le son dans mes oreilles. Et dans les vôtres aussi, je suppose. La musique est cool par contre, hein, ici. Ah, d'accord, il y a des murs invisibles. Ça explique beaucoup de choses. Un coup ça reste coincé au-dessus, un coup non. Pas la meilleure zone pour ma classe, hein. Toi, sors de ta cachette.
J'arrive pas à comprendre où est-ce qu'il est, ce truc. Bon, le poisson... Le poison, ça poisonne. Ça tue, même. Il en reste rien par là? Oh, il en restait quelques-uns, en effet. A pu! J'ai nettoyé la zone. J'ai rien vu, j'ai rien compris. Mais c'est propre. Surtout compris qu'on me faisait chier à mettre des toits et des murs et c'est casse-couilles. J'ai dit je veux voir du jaune. Bon, ça sera encore un fusil à pompe. Mais bon, je veux voir du jaune quand même. Allez hop, on ouvre la pop-porte. On recharge. Et petit boss. Pas drôle s'il n'y a pas un petit boss. On a encore une goule. Tu reprendras bien un petit bouclier. Oui, bien sûr, des spells qui traversent à travers les murs, j'allais te le dire. Les PV, les PV! Bon, ça va, tes potes ont pas l'air de vouloir venir t'aider. T'as l'air un peu bugué, du coup, moi ça me va. Je crois qu'il est bloqué par la tourelle. Moi ça me va. Vu comme il a l'air chiant à battre, avec tous ses PV. Ah merde. Alors là, j'étais pas dedans par contre. J'étais toujours pas dedans.
Oui, j'ai biaisé le jeu là, les trois quarts du temps. Et alors? J'en ai rien à foutre. Il avait qu'à me biaiser aussi. Ou alors ils avaient qu'à faire un jeu pas buggé. Plus il y a des snipers, j'ai autre chose à ça à faire que de me fighter avec des snipers. Aïe. C'est un sniper, je suppose. C'est pas la range. C'est chiant. Allez, 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 allez. Mais bien sûr, tu m'as vu arriver, comme par magie. C'est bon? J'ai assez biaisé ton jeu. Décrivez-la-moi. Attends. Bien bien chiant ce mob hein, par contre. Celui qu'on a affronté juste avant. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ils ont fait la paix? Il y avait une époque sans tempête due à l'anomalie où les Pax prospéraient. Il régnait un certain équilibre sur Enoch. Vous pensez qu'ils ont réussi? Qu'ils ont stoppé l'anomalie? Qu'est-ce que c'était avant son apparition? Enfin, ils n'ont pas pu tenir l'anomalie à distance bien longtemps. Elle a fini par les exterminer. Elle nous exterminera si nous échouons. Et il n'y aura plus personne pour lire notre histoire. Ben, on l'a pas contenu l'anomalie encore. Hein. Elle se développe toujours. Hein. Quête terminée, les bergers des Nocs. Vestiges pour le moment. Je vais me concentrer sur ma survie. Je récupère une. Un truc directement ou pas? Pas de récompense? Ça permet de téléporter peut-être? Bah alors. Parce que ça me dit que la quête est terminée, mais ça me dit qu'elle est aussi au camp. Peut-être qu'il y a un coffre qui est apparu?
Qu'est-ce que c'est ? Intéressant. Ah non. Attends, j'ai fait tout ça juste pour avoir de l'histoire et Bah d'accord. Bon. Alors je l'ai eu sans m'en rendre compte? J'ai pas l'impression. Parce que j'ai bien looté ça sur le mec, mais c'est une belle armure, mais bon. Peut-être une fois que tous mes trucs seront terminés, là, je vois incursion terminée. Non, bon. Bah non. Bon, Shanna, on se barre. Hein. Mais je me suis fait spoiler une ressource. Hein. Que tout le monde en soit témoin. J'aurais dû être enterré là. C'est vrai. Mais bon, Jacob a préféré te tuer. Enfin, te sauver. Prochaine quête, fort dévasté, fer de lance. Ça sera dans la prochaine vidéo. Il ne nous reste plus que 3. Donc il y en a une là, une dans la zone d'après, je pense. Et après, il y en avait une qu'on n'avait pas réussi à trouver. Qui est peut-être histoire dépendant. Donc faudra peut-être se téléporter à un point précis de l'histoire pour pouvoir la faire. Ah bah elle est juste là, super. Mais c'est Shanna qui la donne. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donnerai une prochaine pour la suite de Outrider. A plus !